Pendant au moins une semaine, les usagers du RER C vont devoir s'armer de patience. Changement de trajet en effet pour leur moindre déplacement avec ces bus de substitution. Pour supporter tout ça, il leur faut une qualité, la patience. J'ai dû prendre le bus de substitution jusqu'à Juvisy. À Juvisy, j'ai pris le RER D jusqu'à Gare de Lyon. Et bon, vu que je suis à la bibliothèque François Mitterrand, j'ai dû faire demi-tour. Donc j'ai mis 1h45. Au lieu de 20 minutes d'habitude, le tout dans des conditions pas toujours faciles. J'en ai déjà laissé passer 3 avec 2 soufflets. Il y avait vachement de monde, on ne peut pas s'asseoir, donc il fait super chaud et puis on se sent pas très bien. Et voilà. Il existe heureusement une autre solution, une idée toute simple lancée par les maires de plusieurs communes desservies par le RERC, le covoiturage. La démarche des maires de l'agglomération du Val-d'Orge, ça a été d'inviter donc les usagers qui ont un véhicule à venir soulager ces lignes en venant récupérer 1, 2, 3 passagers possibles pour les amener sur Paris. On a mis ça en place avec les moyens dont ils disposaient aujourd'hui pour informer pour la journée de demain, c'est-à-dire Internet, réseaux sociaux, panneaux lumineux des communes, et ça a déjà commencé à être relayé. Chaque jour, un peu plus de 20 000 personnes utilisent la ligne C du RER depuis le Val d'Orge pour se rendre à Paris.